te avèr pou tout avan. Si yè a mande pou kwa nan li, pa kite Satan bon parol. Ma bon parol an kon nomè Satan. 100% évangélique, bienvenue dans 100% évangélique. Et nous dit bon Dieu merci pour amour, bonté, miséricorde li, parce que li permet que nous capables là, dans plateau Castivi, pour nous capables présenter une émission 100% évangélique. Émission qui ont remé et qui ont apprécié, en pile mon apprécié, remé en pile, bien que d'autre part, il y a des gens qui pas trop apprécié émission ça, parce que il y a des choses que nous attendez qui pas bien pour eux, qui ont pas tant aimé tant d'eux, ont pas voulu attendre. Et mais quand même nous dit bon Dieu merci, du moins qu'il y a un seul monde qui bénit, qu'il y a un seul monde Dieu ouvre, qu'il y a un seul monde qui comprend la parole, qu'il y a un seul monde qui veut marcher droite. Et c'est ça objectif là, c'est que comme lui dit et frère, c'est pour nous connaître lorsque y a un monde égaré loin des vérités, loin des paroles vérités. Et si on frère ramener les dans vérité, il y a une multitude de péchés qui pardonnent. Alors, il n'y a pas dit nous 15, 16, 17, mais il dit nous, il y a un seul monde. Alors, c'est peut-être ça, nous bénissons le Seigneur, parce que lui permet que y a un Dieu qui a ouvert, lui permet qu'il y a un cœur qui a ouvert pour comprendre la parole, et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous comptons pour nous là, et pour nous présenter au 100% évangélique, et nous dire merci parce que vous acceptez nous, vous acceptez de garder émission, hein, ou accepter que ce soit nous, dans le salon de la caillou, soit dans la chambre là. Et je connais des gens qui courent sur le travail pour garder l'émission, hein, et qui ont des bibliothèques dans la main, qui ont des stylos, qui ont des marqueurs pour marquer les textes et puis souligner yo, correctement, qui ont un carnet dans la main, et puis qui attendent avec attention, qui pourraient aller avec bonne compréhension et pour poser des questions et des suggestions, même des critiques aussi selon la parole de Dieu. Et nous bénissons ces gars pour tout le monde ça, yo, qui a regardé. Nous bénissons aussi pour les gens qui ne regardent pas tout. Parce que les gens qui comptent souvent à regarder, puis ils ont des choses qui ne sont pas bonnes pour eux, et puis ils ferment la télévision, ils font coller, ils disent, hé, tes gars sont ça là. Et voilà, comment ça peut. Voilà, ils disent n'importe quoi. Et ferment la télévision et puis ils vivent. Alors, frère ou sœur, sachez bien que ce n'est pas moi qui vous refusez d'entendre ou refusez d'accepter. Je ne suis rien. Mais vous refusez d'accepter Jésus-Christ, d'accepter la parole de la vérité. Je n'ai pas écrit une Bible. La Bible est écrite et ce sont des hommes que Dieu lui-même a choisis. Et comme dit la parole, ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie n'ait jamais été apportée. Alors voilà pourquoi, si on refusait tant de paroles là, c'est pas moi pas un problème, moi juste me fait devoir pas. C'est que devoir c'est présenter et paroles là, Jean qui l'écrit, hein, et puis après m'aller. Il n'est pas en train de faire une sorte d'élection pour mon voter. On n'est pas en train de rêler les gens pour venir suivre moi. Je ne suis pas Christ. Pas du tout. Et je ne suis pas en train de forcer personne à accepter ce qui est vrai. Parce que nous sommes capables de comprendre qu'il y a plus de monde qui prétend qu'il y a connaissance de la parole et ça, il a fait. C'est la Bible, c'est Dieu qui m'en dit. Mais il n'y a pas qu'à prouver ça, il a fait à nulle part dans la Bible. Et ce qui veut dire que Mounsa sont menteurs qu'il est. Puisque ce qu'il a fait, il n'est pas écrit, c'est qu'il n'est pas sorti de Dieu. Il n'est pas bon. La parole de Dieu dit, examinez toutes choses, tout ça, l'Unicef 5, et retenez ce qui est bon. Mais si vous faites vraiment ce que dit la parole, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Pensez les paroles qui sont vraies à parler. C'est facile pour accepter. Parce que si vous prenez Bible, parce que il y a des gens qui peuvent accepter et garder Bible. Il y a des gens qui préfèrent parler selon pensée. Et Bible n'est pas important pour eux. Et ils ne veulent pas ouvrir Bible. Parce que ça, la Bible n'est pas bon pour eux. Il n'est pas bon pour les oreilles. Yo. Mais nous-mêmes, qui
sermenté, qui prend engagement pour marcher selon le fondement des apôtres et pour être capable de prouver tout ce qu'ils doivent faire selon la parole, nous prêts à discuter et à partager la parole avec tout le monde selon la Bible. Mais sauf qu'il y a un petit problème, c'est que nous n'acceptons pas les gens qui vont dire ou qui vont vouloir faire passer leurs pensées, leurs idéologies, en disant « je pense que, je crois que, mais, ouais, on peut si, on peut ça, mais tu sais, c'est le monde a changé, mais, ah !» Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, go texte, et avant que nous invoquions le nom de Jésus-Christ, qui Darimé gardé avec nous avant nous continuer sujet sur le sabbat, que nous avons commencé dernièrement, texte que nous voulons garder, c'est Ecclésias chapitre 4, le verset 17. Ecclésias 4, 17. Dans Ecclésias 4, 17, il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Hein? Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir, plutôt que d'offrir ou pour offrir des sacrifices des insensés. Ça veut dire qu'en pile monde qui présentait en tant que des docteurs de la loi qui viennent expliquer la parole, mais monde ça t'a préféré, il m'a dit lui mieux pour yo ta chita plutôt tendé. Ou tout comme gen des moun aussi qui tendé émission, mais qui tendé à l'envers. Moun sa besoin chita tranquillement pour le tendé mot après mot, virgule après virgule, et pour li texte bien. Et puis après, s'il a prélé pour le poser une question, pour le poser en accord avec sujet et en accord avec ça que nous dit selon la parole. Parce que quand pile moun qui. Qui grandit dans un système qui nous a dit coco be moun complètement qui paralysé qui rend moun handicapé. Parce que j'étais gagné un jeune qui te dit ça, gade domination que vous trouvez là dans yo, yo coco be ou yo rend nous handicapé. Alors ça fait dire ça, c'est parce qu'il te apprend que il apprend que la domination le te a, et bien pasteur domination, ça c'est ton homosexuel. C'est ton homosexuel. Alors, par conséquent, lorsqu'on a un genre de domination, ça y est, ou été cocobé, effondré, borné, limité, dans une sorte de domination, un chef qui a gouverné, qui nous fait ça qu'il dit, non pas ça que la Bible dit. Et ce qui est important, c'est que nous devons suivre, non pas un homme, mais la Bible. Nous devons écouter. Non pas un homme, mais la Bible. Nous devons faire ce que, non pas dire un homme, mais ce que dit la Bible. Parce que sinon, on va faire fausse route. C'est qu'on a nous vu que l'évangile vient dans un sentimental. Parce que les hommes n'ont pas servi Jésus-Christ en tant que sauveur. Mais ils ont servi Jésus-Christ en tant qu'ils ont sorte de moyen pour parvenir à la richesse, à la cupidité, au mensonge, à la célébrité. Hein? C'est ça. Mais pourtant, ils n'ont pas servi. Ça fait grand pile monde, c'est pasteur, ils ont servi, c'est leader, ils ont servi. Ils n'ont pas servi Christ vrai parce qu'ils ont perdu la vérité. Ils ont peur, ils ont été à côté. Même les bagages faux, ils ont pris.
C'est comme si Mdadou Mouna complètement aveugle, il est malade. Eh bien, il a dit le mensonge, il est quoi, il a accepté. Mais quand la vérité a présenté devant, il y a un problème. Comme si Mdadou il connaît Christ, il connaît ça la parole de Dieu. Pourtant, on est complètement ignorant de la parole. Alors, est-ce qu'on peut soumettre avec un bagage qui n'est pas écrit? Ou bien avec idéologie, une pensée, ou bien interprétation, ou bien selon Jean le Quel ou Jean le Pensel. Parce que la Bible n'a pas besoin de personne, mon enfin rien, c'est que la Bible déjà fait tout le travail. Alors ça qui est important, lorsque vous rentrez dans la maison de Dieu, alors faites attention comment vous déposez pio. Et là, vous chita, chita pour tant de bien. Pas vous pour vous offrir un insensé parce qu'on pas compte ça, la parole de Dieu dit. Ou pas observateur de la loi, ou pas observer la justice de Christ, sauf pas qu'à établir justice. Et c'est ça qui fait plus qu'au pas, en tant qu'observateur ou défenseur de la justice, l'Europe essaye d'établir la justice ou toujours fait erreur. Parce que justice qu'on établit, ou établit selon la chair, mais pas selon Dieu. Parce que la justice qui est établie selon Dieu, c'est une justice de paix, de joie, de douceur, d'amour. D'amour, premièrement. Et tout le monde accepte. Marcher dans sa Bible a dit. C'est vrai, nous admettons maintenant qu'il y a plein de monde qui pas marcher sur la Bible encore, Bible a des côtés. Par exemple, le sujet que nous gagnons pour l'entrée sur lui là, sur le sabbat, après mon sabbatique, yo même c'est pas Bible yo dit encore, c'est livre Ellen White. Yo. Hein, c'est livre les prophéties, l'esprit des prophéties de Ellen White. Alors si vous lisez, vous observez, vous pratiquez l'esprit de la prophétie de Ellen White, vous mourrez dans vos péchés. Vous vivez encore dans le péché. Et vous n'êtes pas en train d'adorer le Seigneur Tout-Puissant en esprit et en vérité. Parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si c'est l'esprit de Ellen White, si c'est Ellen White qui est votre prophétesse et que c'est elle que vous suivez qui est mort avec sa tombe à un obélisque, très, 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 c'est-à-dire symbolique, maçonniquement parlant, diaboliquement parlant, vous mourrez dans vos péchés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons seulement la Bible. Alors, tout le monde qui a écrit petit bouquin, petit livre à droite, à gauche, pour venir vendre, livre ça, ça nous doit faire jeter tout dans la poubelle. Mais quand on a écrit petit livre, venir vendre petit livre, by petit livre, on a écrit penser qu'on a mon pas la Bible encore, c'est dans petit livre tout le monde était. Or, c'est Bible là nous gagne pour nous enseigner là-dedans, pour nous apprendre là-dedans. Pas de petit livre de côté. Ou penser nèg imaginer mais penser que comme nèg qu'on a là pour aller qui réécrire Bible là pour corriger selon eux-mêmes, ça yo veulent corriger. Comme apôtre Paul, apôtre Pierre clair sur ça, apôtre Pierre bon bagaille qu'il dit dans 2 Pierre, regardez ça. 2 Pierre, enfin, c'est juste prophétie qui n'a pas accompli, bien entendu. Dans 2 Pierre 3, le verset 15-16, 2 Pierre 3, verset 15-16, verset 15, il dit, « Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Alors, son bagage qui est déjà fait, qui est en train de faire et qui continue de faire, parce que depuis yo pas comprendre parole Paul yo, yo obligé détourner écrire l'autre bible pour yo mettre là la manière de yo parce que ça yo parle d'où pas besoin voir les femmes non de dire je prêcher comme la bible interdit. On a toute ça la bible mandé yo pas faire le contraire parce que il y a explication pas yo pour yo bail parce que pas comprendre écriture là yo pas comprendre parole là. Et c'est pas étonnant parce qu'il pas donné à eux même selon Marc 4 12 13 ans il pas donné à eux même yo pas qu'à connaître ça fait yo interpréter n'importe comment gens qui yo voulu pour être capable de fonctionner. Nous prenons la prière pour nous capables de rentrer dans ce sujet-là.
Seigneur, nous bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Merci parce qu'au grand et au merveilleux. Et sans vous-même, pas gain la vie. Pas gain la vie sans vous-même. Et Seigneur, son joie pour nous capables d'en présence et pour nous parler de vous-même. Des noms que tout genou doit fléchir devant là. Et Seigneur, ou pas bon l'autre nom pour nous publier, pour nous répandre, pour nous diffuser. C'est seulement Jésus-Christ, le seul nom qui est au bon nom. Merci pour non ça, Seigneur. Merci parce que non ça, c'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui gouverne tout. C'est lui qui protège tout. C'est lui qui sauve tout. C'est lui qui guérit tout. Et c'est seul non ça, m'accepter pour me couper, fléchir devant seul nom ça, Jésus-Christ de Nazareth. C'est seul nom ça, les frères, les sœurs ont accepté de se couper, de se fléchir devant ce seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, nous avons la vie en son nom. Nous avons la vie en ce nom. Et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui sauve. Comme tu dis dans ta parole, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le cœur et les reins. Et je rendrai à chacun selon vos œuvres. Oui, Seigneur, tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Selon Apocalypse, Jérémie 17, le verset 10. Oui, moi, l'Éternel, je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Seigneur, c'est toi, celui qui sonde le cœur et les reins. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour nos frères, merci pour nos sœurs, merci pour l'amour de l'évangile, merci pour la persévérance, merci Seigneur pour la foi dans la parole, de la vérité, merci Seigneur pour lumière qui est au bon nom, pour nous capables de comprendre parole, nous bénissons. Nous reconnaître que ce n'est pas la grâce qui nous sauve. Et c'est grâce qui nous accès avec la vie éternelle. Et frère, nous sommes reconnaître ça. Merci. Nous avons ouvert les yeux, l'autre, pour être capable de comprendre ça. Et bénis technicien, nous, Seigneur. Bénis téléspectateurs, bénis chaque frère et soeur. Et puis, mettre que parole, ça va entrer dans vous-même. Vous êtes capable vraiment d'ouvrir le cœur. Et puis, vous êtes capable de vivre selon parole de vérité, ça. Vous connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. Merci, Seigneur. Merci. Et que ton nom soit béni de maintenant. Et à jamais, au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Et nous bénissons Seigneur parce que il peut mettre que nous l'avons pour nous capables de partager point ça avec vous qui c'est sur le sabbat que nous avons commencé dimanche passé. Et nous sommes arrivés dans le chapitre 4, livre Hébreux. Alors, dans le chapitre 4, livre Hébreux, nous avons juste fait un petit résumé puis pour nous capables d'entamer avec chapitre 4, livre Hébreux. Alors, résumé que nous pouvons faire, alors surtout c'est dans le chapitre 4 là nous pouvons le travailler, mais nous avons fait un petit résumé pour, par rapport avec dimanche dernier, ce que nous avons dit. Alors, ce que nous avons dit, débuter surtout de dimanche dernier, sur quoi, et avec Texas, et Psaume 147, le verset 19-20. Alors, Psaume 149, le verset 19-20, qui t'a déjà fait nous connecter. Dieu révélé loi lio avec Jacob, avec Israël. Il n'a pas agi de la même manière pour les nations. Et que les nations ne pas connaît loi bon Dieu. Ils ne pas connaît bon Dieu. Et c'est Israël seulement. Et nous te protégeons ça pour nous te montrer que, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Et pour montrer quelqu'un que soit monde qui voulait embrasser le sabbat, la dîme, présentation au temple et tant d'autres encore, la moisson, eh bien, moun sa yo yo encore déchus. Ils sont déchus de la grâce et ils sont sous la malédiction. Alors, je connais que nous pouvons demander qui ça la Bible dit, est-ce que la Bible dit sous la sous malédiction et tout, et tout, et tout. Nous pouvons demander ça. Pas de problème.
Alors, nous allons regarder pour nous voir qui ça la Bible dit pour Mounsayo qui est attaché avec œuvre la loi. Et est-ce que Mounsayo vraiment pas en bas malédiction parce qu'il est attaché aux œuvres de la loi. Alors, regardez avec moi dans Galates. Nous avons regardé premièrement dans Galates chapitre 2, le verset 16. Galates chapitre 2, le verset 16. Ensuite, nous avons regardé verset 21. Et après, nous parlons dans chapitre 3. Ok, déjà, dans le verset 16, Galates 2, il dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. » Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin que d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Verset 21, Galates 2. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si la justice s'obtient par la loi, notre Seigneur Jésus-Christ est donc mort en vain. Alors mettez ça dans la tête, non. Chapitre 3, Galates chapitre 3, le verset 10. Il dit, chapitre 3, verset 10, Galates, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de la loi. » Et ne la met pas en pratique. Maudit est quiconque observe la loi. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et ne le met pas en pratique. Alors, comme nous connaissons le bagage que nous n'avons pas pratiqué, Jean Kélia, soi-disant, il a pratiqué. Par exemple, dessus de trois points, il dit. Présentation au temple, la moisson, la dîme, le septième jour ou le sabbat. Alors, je te dis surtout, les textes dit, si vous ne mettez pas tout en pratique, ça texte ne le dit pas là. Nous avons regardé pour premièrement la dîme. La dîme, tout le monde dit payer la dîme. Mais selon la Bible, pas gain aucun, je dis bien, même en Israël actuellement là, pas gain aucun ou aucune personne qui paye la dîme. Personne. Et je le répète. Je le répète. Pas gain personne moun qui paye la dîme. Peu importe où vous payez la dîme, tout c'est similaire. C'est faux. Parce que ça la Bible dit, c'est pas ça qu'on fait. Sauf fait la dîme, pas, mais c'est pas ça la Bible a dit. Déjà, elle pas en vigueur encore. Ça veut dire que, yo, texte intérieur a dit, maudit moun qui applique les œuvres la loi, qui permet toute loi en pratique, regardez, verset 10, Galates 3. Ça dit, imaginez, la dîme, c'est pas l'argent lié. Ou fait le tourner l'argent, m'a dit, chon pour vous. Parce qu'on dit, la dîme, c'est l'argent. Ou bien on dit, ouais, nous, dans l'autre siècle. Or, Paul dit, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu est. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son texte nous toujours répéter chaque jour. Mais nous ne pouvons pas rendre compte sans se livrer. Alors, dîme non, ce n'est pas l'argent, pas jambes l'argent, pas jambes l'argent. Nous faisons, c'est l'argent lié. Ça, c'est faux. Nous dit chaque mois, la Bible pas jambes dit chaque mois, ça, c'est faux. M'a dit chant pour nous. En plus, dîme non c'était denré, nous pas jamais mené denré, ni bête, ni rien, ni liquide, nous pas jamais manger dîme non côté, nous devons manger la vraie, Jean la Bible dit. Tout ça, c'est complètement faux. C'est pas la loi. Alors là, nous comprenons que nous sommes sous malédiction. Nous campons là. Pour présentation au temple, nous avons Luc 2, à partir de verset 21 à continuer. Au pape, jamais voyons pasteur, prend Luc 2, verset 21, et la présente au timon au temple. Pourquoi? Parce que Galates 3, 10, la clé. Il dit, maudit quiconque qui veut attacher avec œuvre de la loi qui pas appliquer toute la loi, j'en lis. Ça veut dire que, lorsque il a fait cérémonie, soit disant présenté au temple, comme texte a dit, c'est au Seigneur, ou après, il a lu dans Marc pour dire que tu es présenté pour Jésus qui te touche, Timon.
Mais c'est pas ton temps pour te présenter, c'est pas ton Seigneur comme si tu étais juste touché, c'est normal. Hein, nous pas toi comment te présenter Jésus que au temple. Alors, il y a pas lu Luc 2 verset 21 à continuer. Pourquoi? Parce que Luc 2 verset 21 sont F de la loi qui est lié, c'est loi. Et c'est selon la loi de Moïse, côté yo pas appliqué le vrai, c'est que la Bible dit c'est tout mal premier né. Yo même yo présenté 50 000 petits garçons yo fait ya, 80 000 petits filles yo présenté. Ça veut dire si qui ces petits filles yo présenté, qui ces petits garçons yo présenté. Ça veut dire là moun sa sous malédiction, li en bas madichon la loi parce qu'il pas appliqué sa Bible a dit. Alors pour que moun ki chita devant yo soit yo pas appliqué mais c'est faux, c'est contraire avec ça. Soit dit yo faire c'est contraire. Déjà, fok ti moun te circoncis sou 8 jours. Si son ti garçon, fok maman te passe 40 jours la caille li pou pa mettre point pied nan sanctuaire. Si son ti fi, fok maman passe 80 jours la caille li. Après les jours de purification sou 8 jours faut le présenter pour la présenter ti moun au Seigneur. Par contre, tu applique ça, peut-être tu applique, par contre ki bon. Par contre ki bon, yo applique yo, mais yo di yo applique la loi. C'est la loi vous voulez appliquer. Mais appliquez le Jean l'écrit alors. Hein? Appliquez le Jean l'écrit. Au père Anne, dans le chapitre 1er 1 Samuel là, les l'a demandé le Seigneur, yon timoun, ça le dit. Il précisait. Pour dire Seigneur, si tu dais m'accorder un enfant mal, son bagage qui tout à fait évident parce qu'il n'a pas qu'à offrir yon fille avec le Seigneur. C'est yon garçon. Parce que Dieu mandait tout mal premier né. Or Anne, intelligente. Parce que l'étape toujours by Samuel, parce que la loi t'est déjà mandé tout mal premier né. Mais après 5 petites Samuel, Anne fait yo, est-ce qu'elle vient présenter l'autre 5 yo? Non, elle ne pas présenter parce que c'est un seul yo demandé. Seulement première et première fois que son gars sont liés. Mais qu'on a dit ça, monsieur, qu'on a fait? Yo fait le contraire. Pour montrer que selon Galates 3, 10, yo en bas m'a dit chant. Ok, nous prenons parti maintenant pour la moisson. N'a pas sabbat en dernier pour nous continuer. La moisson. Ils sont en train d'un bâtiment, ils ont l'église là. Si tu as un petit galon, ils te vendent 5 dollars. Si pas, ils te vendent 5 dollars, ils sont en train de vendre 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars, 25 dollars. Ça veut dire que, ouais, soi-disant, les gens qui servent Christ, ils sont plus chat que les gens qui sont dans le monde. Vous comprenez? Si on a un petit peu de 2 dollars, ils vendent 5 dollars, 10 dollars. Pour montrer que mon adam déjà débordé yo chat passé mon qui dans le monde avait dit que soit dit on pas appliquer la moisson mais sans pour autant personne pas jamais question puis mais selon la Bible comment la moisson en fait et puis yo fouiller pour chercher pour yo joindre. OK, ça veut dire mon ça en bas m'a dit chant. Dernière chose, le sabbat en pile mon Dieu il a observé le sabbat le septième jour. Mais c'est complètement faux. Ou pas observer sabbat frère. Ou pas observer sabbat sœur. Ou a perdu ton. Et ou en bas, malédiction, madichon la loi. Parce qu'on soi-disant doit pas appliquer la loi, mais on pas appliquer toute sa gain dans la loi. Ou pas seulement typatique bon pour ça qu'on doit déplacer quitter la caille. Ou plus qu'on chemin de sabbat, ou pas gain pour ou pas lapider parce que pas la loi pas appliquer. Alors tu as supposé lapider. Hein, ou sorti ou al nan maquette ou al achete fort j'en vle, on comprend moins ou al achete fort ou al parler bay blague ou jou saba j'en vle ou pas lapider parce que c'est pas saba ou a observé et son bagay qui tout à fait évident. Hein, parce que avec ti livelen ou a etio, m'pa kwe ça yo ka bo la vie frère, m'pa kwe ça yo ka bo la vie sœur. L'esprit diabolique Ellen White gen pa ka révélo mystère qui écrit dans Bible. Parce que les noirs pas de l'esprit de Dieu dans lui. Et esprit de prophétie, c'est l'esprit de prophétie diabolique, même Jack William Miller, avec Charles Taz Russell, hein? Avec Rutherford, hein? Avec Frédéric William Frank. Même vieux esprit de mensonge 1914, hein? Même 1824, hein? C'est même esprit ça yo. So, détrompons, frère, parce que on est en train de perdre du temps. Qui ça y a dit pour le sabbat? Septième jour, où doit rester la caillou? Ou pas doit bouger? Rester la caillou. Mais septième jour,
Nous avons des gens qui déplacent, qui étaient caillou. Il y a un cal dans maquette. Il y a un cal dans bâti blague. Hein? Mais pourtant, qui dit, il observe ça, ça veut dire si vraiment le sabbat existe toujours, le septième jour, eh bien, nous reconnaissons que tout le monde a dit que le sabbat était péri longtemps. Péri, exterminé longtemps. Et nous avons consulté quelques textes pour nous voir quelques rapports qui gagnent avec le septième jour par rapport avec les sacrifices que, qui doivent être faits. Malgré que monsieur n'a pas accepté de faire sacrifice, mais il aurait été non samedi. Hein, à tirer sous protestant pour dimanche, ni dimanche, ni samedi, vous êtes tous à côté de la plaque. Qui dimanche, qui samedi? Parce que sur le fondement des apôtres, nous parlons dimanche, samedi, mais moi chaque jour. Alors, si c'est dimanche, samedi, ou à tirer sous dimanche, ou à tirer sous samedi, vous perdez vos temps. Vous, les dimanches, vous, les samedis, vous perdez vos temps. Parce que, regardez dans votre Bible, vous allez voir ce que dit la parole. Le fondement des apôtres. Voilà pourquoi je vous demande de retourner sur le fondement des apôtres par les compassions de Dieu. Retournez sur le fondement des apôtres. Et vous allez voir s'il y a un samedi ou un dimanche mentionné. Hein? Constantin a mis dimanche et que tout le monde entier, a adopté le dimanche matin 9h ou 9h30, je ne sais quoi, pour réunir. Mais que dit la Bible? Est-ce que ce dimanche matin est biblique? Est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Ou, donne-moi ces versets. Selon la grâce, hein, j'ai bien précisé, selon la grâce, est-ce que le samedi est le jour que le Seigneur a prescrit aux apôtres, aux disciples? Nous avons mis un texte qui prouve ça. Que le Seigneur Jésus-Christ prescrit le sabbat, le septième jour, aux disciples. Comme moi-même, beaucoup de gens, peut-être que la Bible n'a pas gagné, mais pas la gagné. Alors, si vous avez fait un genre de texte comme ça, il est vraiment bon pour moi parce que ça tape aidé ma pile pour me comprendre un peu de la parole. Et nous avons regardé dans Lévitique 2, Lévitique 24. Lévitique 24, nous avons juste regardé un texte. Le verset 8, n'a pas gardé le verset 8, n'a pas pour nous faire vite, pour nous capable de place à tout le monde qui veut relayer. Parce que dimanche, il n'y a pas de possibilité pour être capable de relayer. Et nous avons fait en sorte pour capable de gagner possibilité ça jeudi. Lévitique 24, Lévitique 24, le verset 8. Il dit, chaque jour de sabbat, on rangera ses pains devant l'Éternel continuellement. C'est une. Alors, plutôt, je commence dans le verset 1er, même si je dis juste verset 8 là, pour ne pas comprendre qui est en de pain, je vais supposer lire dans le verset 1er. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Alors, le jour du sabbat. Alors, le jour du sabbat, ça doit faire, gagnons pain, les pains des propositions que vous devez arranger. Ou même te li dernièrement te mouto côté David te présenté devant sacrificateur al mandé à manger sacrificateur al gen seulement paix de proposition paix pour le déplacer pour remplacer par l'autre paix consacré. Mais là dans le verset 8 Lévitique yo dit chaque jour de sabbat paix ça yo doit ranger devant l'Éternel et son loi perpétuelle que les enfants d'Israël doivent observer. Par contre qu'on a si les enfants d'Israël ici à Saint-Martin yo est-ce que yo ranger paix hein? Est-ce que vous gardez loi ça? Parce que son loi a des rapports avec sabbat. Le jour de sabbat doit appliquer. Je ne sais pas comment vous faites. Mais c'est vous qui doit t'arrêter là pour te dire comment vous fonctionnez. Comment vous faites selon Jean qui la parole m'a dit là. Ok. Lévitique 26. Nous avons gardé quelques textes encore pour nous capables de comprendre et pas mal de choses. Dans Lévitique 26, là, nous avons un verset. Le verset, je peux résumer tout ça, parce que j'en résume et je suis en train de faire. Le verset 2. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison.
La terre donnera ses produits et les arbres des champs donnera leurs fruits. Mais à condition, faut nous garder ça bas. Faut nous garder ça bas. Mais ça bas. Alors, là, il dit mais ça bas là, papa, c'est chaque samedi, mais c'est bien plusieurs ça bas. Il y a plusieurs sabbats. Par contre, qui est-ce qui a choisi de garder dans toute la vallée? Mais apparemment, il a gardé un petit peu de ça qui a arrangé. Et puis, il a gardé et il a observé le sabbat. Voilà. OK. Alors, dans Lévitique 23, là, on a pris une coupe lecture. Dans le verset 1er, on a commencé à dire à partir du verset 1er. Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et pas dire aux enfants des nations. Comme Psaume 147, le verset 19, vient clair. Aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de cette convocation. Voici quelles sont mes fêtes. Écoutez bien, voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Mais sauf que, vous connaissez quelqu'un qui fête Pâque là, mais quelqu'un pas fête, il choisit un parti là-dedans. Bon, c'est pas faute, c'est William Mill qui cause avec Ellen White, qui cause avec Doug Diabolique. C'est ça qui cause que vous en sortez de pétrin ça. Alors, le verset 6, il dit, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans le vin. Pour arriver jusqu'au 7e jour. Hein? Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous offrez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte. Alors, écoutez bien là. Le 7e jour, le sabbat, le jour du sabbat, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Bon, si vous regardez dans l'assemblée, on go palto qui te dit mon pour tes fleurs, pour tes jeb, on met connaissance zèv de la loi, ou te joigne et puis yo fort. Tout comme le fort pour tes dîmes, et dit pour tes belges, pour tes go jeb, et tout, bon, son zèv de la loi qui est lié pour honorer le jour du sabbat qui te dit dans la loi que yo a pas appliqué. Alors, pas inquiéto. Alors, le verset 11 lui dit, il agira de côté d'autre la jeb devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Alors, par contre, si monsieur fait genre des bagailles, ça y est. Je n'ai pas de problème avec nous. Depuis nous avons prouvé vraiment Jésus-Christ mène le sabbat à l'église pour appliquer, je n'ai pas appliqué 100%. Je dis amen, sans hésiter. Mais là, par contre, si nous prenons ça, nous agiter jusqu'au lendemain du sabbat. Parce que je ne sais pas quoi nous retenons l'IEA. Sans ne pas bouger jusqu'au lendemain. Parce que nous bouger, nous partir, nous virer, nous passer, dépasser nos kilomètres, hein? 2000 coups d'éa, nous dépasser, nous faire ça nous voulons, et puis nous observer le sabbat. Le verset 12, Lévitique 23. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Alors, pas bien, j'aime ça, c'est le jour du sabbat de Fel. Alors, dans le jour du sabbat, il faut qu'on sacrifice qui fait. Hein? Faut qu'il y ait des sacrifices qui fait. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile. Alors, il faut faire payer pour ranger dans le jour sabbat continuellement et son loi perpétuelle pour les enfants d'Israël. Enfin, ou bien les enfants d'Israël à Saint-Martin. Et puis il dit, vous, alors, dans le verset 13,
Lévitique 23, vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épi rôti ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Elle dit, si certainement, vous essayez, sont des descendants, peut-être c'est des juifs qui exilés hein, depuis en 70, peut-être ce sont des juifs qui exilés, qui bâtissent synagogue ici, à Saint-Martin, ou bien partout ou ailleurs, eh bien, monsieur Sayo, ça c'est sûr, loi ça pour yo, parce que descendants, yo doit appliquer loi ça correctement selon Jean que la Bible dit. Pas de problème avec yo, si c'est descendant, yo, et peu importe, yo c'est descendant de juifs qui éparpillés à travers le monde, yo a appliqué le sabbat, yo toujours en bas malédiction. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ là. Jésus-Christ là. Yo déchu de la grâce. C'est-à-dire, pagué salut. Alors, dans le verset 15, il dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour agiter de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Par contre, nous avons mis un ancien sabbatique pour commencer à expliquer les 7 semaines. Et 7 semaines après le sabbat, le contrôle, yo, comment le contrôle, j'ai bio. Et puis, mon témoin aussi, côté, il fait genre des libations, ça, yo. Hein? Et puis, présenter mon sacrificateur, parce que je t'aime, ouais, vêtements, j'ai été habillé, comment yo habillé maintenant, pour me t'aime vraiment, ouais, comment yo y est exactement, c'est ça, t'apprends, je m'en pile, son ancien sabbatique, t'es carré, pour informer des gens des principes, ça, yo. Alors, le verset 16, Lévitique 23, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Alors là, nous avons 7 sabbats. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle sous 7e sabbat. Par contre, monsieur, frère mieux que me remet en pile dans le Seigneur, que me t'a remis les yeux nous ouvrir, pour nous connaître que nous pas en bas, joue la loi encore. Est-ce que nous vraiment honoré 7e sabbat. Enfin, par contre, dans tout cette, si c'est le premier sabbat offert, ou bien si c'est le deuxième, si c'est le troisième, non, par contre, je vais mettre que les femmes connaissent si c'est le premier ou deuxième sabbat, ils ont appliqué, ou bien si c'est le 7e dans tout. Parce que chaque sabbat, ils ont un sacrifice, et le peuple a passé tout le temps là au fil des sacrifices. Et surtout, ou pas qu'à quitter la caillou. Et c'est ça qu'il faut prendre manger, comme nous parlons du texte tout à l'heure. Dieu va manger pour 2 jours. Peut-être pour ne pas bouger. Alors, lorsque vous êtes là, on est présenté sous plateau là. Le jour soi-disant du sabbat, informez côté l'habité. Dès pour elle dépasse un kilomètre, on met la pidèle. C'est là où elle n'a pas appliqué, arrive à l'autorisation pour la pidèle. Sous elle n'a maquette de yo, à pas acheter, on met commencer la pidèle. C'est la loi qui dit. La pidèle. Quelqu'un soit moun qui doit observer le sabbat ou quand elle nous maquette. Depuis elle fait 6 ans, où elle nous maquette, on met commencer vidéo sous lui. Et depuis où elle commence vidéo, je ne suis pas cadré parce qu'elle connaît. Si c'est le sabbat, elle a observé, elle peut reconnaître que c'est le sabbat à le violer. Parce que Galates 3, le verset 10, m'a dit chaud pour tout le monde qui dit qu'il a observé la loi, mais qui n'a pas mis toute la loi en pratique. Le verset 17. Lévitique 23. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient dédiés. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Alors, le jour du sabbat, le 7e sabbat, il faut offrir des prémices à l'Éternel. Et ce n'est pas tellement offrant pendant 7 sabbats ça. Pour peuple la offri. Et chers téléspectateurs, frère mieux qui m'en pile. Et ça que m'a demandé, l'état bon pour lui, à mon pote, fais pas le fait qu'on moun paraît. Il prêche un bout de parole, il dit un bagay qui vrai. Pour courir pour te corps vide, corps en mal, comme si son homme de Dieu, frère. Sœur, prends temps examiner d'abord. Examinez, prends temps pour suivre mon nom selon la Bible, est-ce que vraiment c'est la parole?
Prends-t'en, frère. Hein, prends-t'en. Alors, on a pris un dernier texte dans le même chapitre là pour nous finir. On va aller tout net. Hein? Nous pas qu'à lire tout net, n'a li yon verset. Alors c'est n'a li plutôt dans verset 30 31 32. Hein, dans même Lévitique 23 31 32, nous résume ça un peu. Et verset 30 Lévitique 23. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Elle dit, vous ferez le verset 31 aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 32. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Alors, il faut monsieur, il est humilié dans mieux. Depuis le soir du 9e jour. Négoïs, j'allais apprendre à compter maintenant, oui, entrer, retourner à la jeunesse, apprendre à compter, ou capable de contrôler, bah, ça, ou bien, ou besoin en bas, jouk, mais jouk. Ou besoin d'être en bas, on jouk, mais jouk. Alors qu'on n'a pas vu une dîme, ça, ou lever le matin, bah, qu'on a qui, le ou aller, ou chanter, ou prier, ou la ka, ou dîme, c'est ça, bah, ou pour servir. Arrêtez jouer, frère. Appliquez la parole. Soumettez-nous à la parole, mais arrêtez avec le système ça, que nous avons dit, appliquer la loi, appliquer le sabbat, sabbat, pendant ce temps, Jésus-Christ de Nazareth, pas parce qu'il avait capoté, je ne vais pas écouter Paul qui a un jour comme ça, même Jésus-Christ n'a pas de jour comme ça. Je ne vais pas parler pour nous, pour nous dire que au bout de la monde jour comme ça, c'est drôle. Alors, on regarde dans le nombre 15. Nous pas regarder dans nombre 15. Alors l'emte dit tout à l'heure sous ouais, yon moun ki la bosse le sabbat rentre dans maquette. Comme yo dit, il commence enfin, monsieur dit il commence dans vendredi à 6h. Allez, depuis ouais, vendredi il fait 6h. Ou rencontrer avec yon moun ki a qui c'est un moun sabbatique qu'elle ou rentre dans maquette, on met commencer la pide, mande moun aide pour yo la pide avant. Parce que li viole le sabbat. Et pral montre ça maintenant selon la parole. Qui s'arrive yon ti malé, qui ramasse un ti bois, qui paye. Qui... oh Seigneur, franchement. Alors, nous lit. Nombre 15, le verset 32 à 36. Nombre 15, verset 32 à 36. Alors, ouvrez le bois, regardez-le bien, oui. Alors, ouais, moun sa yon entre dans maquette le jour du sabbat. Hein? Parce que, jour sabbat, si yon dit, il commence à vendredi à 6h, la fini juste 6h encore. A dit pendant jour ça que yo doit rester la caillou hein. Alors si qu'on a là yo prend la rue pour y aller acheter ou bien pas qu'on est côté yo aller mais moun sa yo mérité la pide. Et tout si yo fait plus qu'un kilomètre parce que quelques bâtiments yo place bâtiment yo placé loin. Alors pour prendre distance ça pour marcher pendant le parce que moi apporter pour lui même ni qu'on voit jour ça bas il pas gain droit pour le te faire. Moi apporter partout le jour du sabbat. Il a marché. Hein, yo même entré dans synagogue al prêcher fait nèg konn monsieur nous n'a perdu temps nous. Mais pendant ce temps, yo pa gen pou yo parti loin comme ça juste là-bas, c'est en place. Alors on regarde dans le verset 32, nombre 15. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron. Et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Alors, bon bagay là, c'est que malheureusement, son petit bois peut-être pour te faire manger lui. Puisque, il n'y a pas qu'on connaît ce que ça va, c'est dans le niveau ça lié. S'il strict comme ça. Alors, il est obligé de mettre monsieur en prison pour aller consulter mettre ça va. Et cap vini pour dire moi c'est mettre sabbat, il a consulté mettre sabbat pour demander ça mettre sabbat. Eh ben mais nous jeunes on est cap ramasser ti bois le jour du sabbat. Oh, ou te dit que pas ka gen aucun ouvrage tout monde est la caillou. Alors qui ça nous doit faire avec? Alors l'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut
comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Alors imagine, on a la nuit, on a Adventiste, 17e jour, soi-disant des semences diaboliques et les noix là. Alors qu'on a aujourd'hui appris à masser, ou bien travailler un jour samedi pour ne pas lapider. Alors pour ne pas, soi-disant, les défenseurs du 7e jour, pas déplacer vite pour les gens lapider sur place publique. Hein? Si vous ne faites pas pour servir ça, je vous dis pour Galate 3:10. Hein? Au père Moïse, concerné, défenseur du 7e jour, défenseur sabbat, ça le fait, lui mettait Mounsa en prison. Et puis pour aller côté mettre sabbat, pour demander ça, mettre sabbat dit lapider. Alors qu'on allait de mettre Mounsa de côté pour dire, bon, qui ça a de faire, mais ancien, gros ancien, yo, de père pour dire, bon, il mérite lapider. Sans doute, il ne peut pas dire, non, pas qu'il a fait lapider et tout. Ou pour aller qu'on voulait mélanger grâce là avec loi. Mais non, il ne peut pas coller du tout. Yo pap kol ensemble. OK? Yo pap kol ensemble. Alors faites attention. Dis ça qui est vrai. Et téléphone nan libre. Libre pour quelqu'un soit ancien sabbatique relé maintenant. Prouvez selon la Bible côté l'église gen 7e jour à observer. Si vous pas ka prouver, alors arrêtez avec système ça. Arrêtez avec principe Ellen White là. Arrêtez avec les livres d'Ellen White, les livres de l'esprit de prophétie d'Ellen White diabolique. Arrêtez avec ça yo. Arrêtez avec yo. Au prophète diabolique sur l'Apocalypse 2. Hein? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel se dit prophétesse séduit mes serviteurs. Hein? Enseigner et séduire mes serviteurs. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Hein? Alors, qu'on y a là, comme texte a dit, puisque c'est l'esprit Ellen White là qui pousse yo à entrer dans le système ça, eh bien, en Ellen White là, obligé de mener yo dans la GN. Ce qui est tout à fait normal. Hein? Ce qui est tout à fait normal. Le texte a déjà clair. M'a dit chaud pour moun qui pas soumettre, qui pas mettre toute la loi en pratique. Nous regardons l'autre texte encore. Je crois que c'est alors son dernier verset dans l'Ancien Testament, on a regardé pour nous capable entrer dans chapitre 4 Hébreux pour nous mettez ou bien parce que mettez et parce que nous pour qu'on finir, on a continuer parce qu'il faut nous parler de viande cochon hein, pour nous ouais qui ça la Bible dit par rapport à ça selon mon sabbatique. Vous comprenez moi, pour nous capable consulter ça pour nous voir qui ça la Bible dit. Parce que la Bible qui a dit nous tout ça qui est écrit, c'est pas on l'homme, c'est pas penser on l'homme et nous gain pour appliquer que ça la Bible dit, c'est pas ça on l'homme dit, on nèg paraît qu'il dit et puis on va le mettre ça en pratique parce que son nom qui dit. Non non non, ça pas fait. Ça pas fait frère mieux, ça pas fait ce mieux. Et ça qu'on obligé prendre temps pour nous expliquer au bagage ça yo, Jean que yo ya, pour nous pas essayer mettre pas nous en aucun cas. Mais pour nous faire que, hein, pour nous faire que, dire ça qui écrit vraiment dans le livre là. Hein, ça qui écrit vraiment dans le livre là. Alors, bon texte surtout, je voulais dire nous. Alors, le texte que je voulais dire là, c'est Deutéronome 5. Deutéronome 5. On regarde Deutéronome 5. Deutéronome 5. Deutéronome 5, verset 15. Alors, Deutéronome 5, 15, il dit un bagage. Gardez ça bien. Et c'est très important que nous gardions. Alors, à partir de verset 12 à 15, Deutéronome 5. Observez le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Bakonan, si monsieur petit, monsieur, ça a observé ça bas. Bon, bakonan, ça c'est eux-mêmes qui ont répondu à la question ça. Verset 15. Tu te souviendras. Raison pour laquelle que yobayo sabbat. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos.
Pourquoi? Parce que tu es esclave en Égypte. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, a ordonné pour observer. Par contre, si monsieur, tu es esclave en Égypte, et l'Éternel Dieu a ordonné pour observer le septième jour. Peut-être c'est le cas pour vous-même. Ok. Alors, mes raisons, oui, c'est parce que tu es esclave qui fait au bas et au repos. Comme Dieu, dans Genèse 2, l'elfine créé la terre pendant 6 jours, septième jour, elle reposait. Mais pendant le repos de septième jour, qui est différent que sabbat, moun sa yo, soit dit à pas appliquer, c'est que pendant le fin de travail, pendant ce sixième jour, le septième jour, Dieu reposait. Après septième jour, Dieu ne va pas retourner au travail encore. Il ne va pas recréer la terre encore. Il finit net. Alors, quand il y a là, si yon moun dit là pour observer sabbat, pas quoi au fin de observer le septième jour après ça pour retourner au travail. Ou bien je finis. Si c'est sabbat de sabbat Dieu, ya. Si c'est sabbat, enfant d'Israël, qu'on a escorté en esclave, pour yote bon, ou te passé 430 ans, et puis qu'on a eu bon un jour de repos pour observer. Et maintenant, demander est-ce que maintenant sacrifice respecté selon le principe sabbat? Hein? Parce que par contre, loi cérémonielle, ça yo, hein, sacrificielle, ça yo, yo complètement, hein, fini. Christ accompli et qui nous pas gagne rien à voir avec you. C'est ça nous besoin. 100% évangélique, bon Dieu béni. Bonsoir, frère Babi. Bon Dieu béni, frère moi. Oui, ma souvenir, ça va là. Ça vient. Allez, le bruit, pour moi, de l'autre, il y a tellement tout. Malgré la capra, ma petite boîte là. Les deux, il y a arrêté, il y a le semaine là. Oui. C'est mon ça qui a arrêté là. Qui a des mouns, ça a eu même. Eh bien, où est-ce qui est qui a arrêté lui? Ah, si nous retournons dans notre texte encore, et puis, ou êtes capable de voir, qui Jean, qui ça qui te dit comment ça a commencé. Alors, bon, retournons dans mon 15 ans encore, et puis, pour voir qui est qui a arrêté yo. Alors, arrêté aussi. Pardon? Nous avons dit arrêté la malaria. Mm-hmm. Alors, c'est pour observer ça, bas. Exact, selon texte là. Et qui m'a dit, c'est la mission liée, il y a même pour une mission pour arrêter. Eh bien, comme on est dans la même contrée, côté de tout, il y a un camp, pas oublié, un camp côté de tout. Alors, dans le camp, il y a un veille sur l'autre parce que la loi de l'Éternel a appliqué. Si on a un camp, on ne pas dépasser la limite ou pas de dépasser, ya. Et que pendant là, yo jeune wa font ouvrage, ou te gen dans dan kay là, ou par contre, ou te gen devant porte kay ou, et pour tomber casser bras, ou commencer casser mari, comme Jésus qui te fait, disciple Jésus qui te fait. Alors, tout de suite, moun ki la kap observe sabay, après la mouye, yop dit, ah, ou viole sabay, et puis rapide, fou rapido. Ça veut dire, moun sa yo, ki wè li ap, ke ramasse, enfin, sa le tap ramasse du bois là, jou sabay, mais c'est moun ki nan kan, et ki wè, pas trop loin de yo même, hein, je nomme ça, ou bien pas qu'on qui est cité ici, un grand homme ou un jeune garçon, après ramasser bras, mais tout de suite, on connaît qu'il a violé sa bas, parce qu'il connaît la loi, tout de suite, il fait appel, il mène devant moun qui a assuré à ce que sa bas appliqué. C'est Moïse. Or, puisque pour qu'on gagne une sentence, ça que vous devez faire pour monsieur, ou bien sentence que vous devez faire pour monsieur, vous bien imbu de lui. Alors maintenant, Moïse est obligé de consulter Dieu et Dieu dit c'est lapide pour lapide. Ça veut dire. Non, il n'y a pas trop loin, il y a toujours un camp. Pas oublier, il y a un kilomètre, il n'y a pas de dépasser. Ok, d'accord. Ça veut dire que si Jésus-Christ est là dans l'époque là, Jésus-Christ a lapidé à tous les disciples dans le jour sabbat parce que là, les disciples ont été maïs et puis il fait guérison pendant le jour sabbat. Ok, nous allons continuer. Maintenant, nous allons rentrer dans Hébreu. Mais avant d'entrer dans Hébreu, il y a un bagage que je voulais montrer. Non. Comme je t'ai souvent dit, ou bien je t'ai dit, sabbat, il y a trois thèses, je dit trois parties. Le sabbat de Dieu, par exemple, dans Genèse 2, Dieu reposait le septième jour.
Et nous, ouais, Dieu reposer, le papa, retourner à le travail encore, les fins de travail. Ça, c'est premier. Deuxième, non. C'est que les enfants d'Israël prennent le gain sabbat sur le mont Sinaï. Abraham pas de gain le sabbat, Jacob pas de gain, Joseph pas de gain. Mais c'est jusqu'à Moïse qui prend le joindre. Dieu prend le sabbat après l'esclavage. Ça veut dire que le peuple Israël a gain le sabbat après l'esclavage. Et c'est raison, c'est esclavage, comme nous l'avons dit avec tout à l'heure, qui cause que Dieu mandate le peuple Israël pour observer le sabbat. Mais nous connaissons le psaume 57, le verset 19-20, que loi ça n'est pas pour les nations et le pape jambe pour les nations. Troisième thèse, le sabbat spirituel, ce n'est pas un sabbat physique, non? Comme nous, nous avons des gens qui ont reposé ou bien des pasteurs qui prennent dans des camps vacances. Moi, je ne sais pas où est la Bible, l'apôtre Paul te prend vacances. Et chaque jour, pour la personne, il joue nuit. Oui. Pas où elle dans la Bible, non? Afin que tu es à côté ou en vacances, pour un jour de repos. Mais c'est quoi ça? Le sabbat, enfin, le sabbat spirituel. Nous pouvons regarder pour le sabbat spirituel. Le sabbat spirituel, c'est dans Matthieu. Matthieu 11. Matthieu 11, nous pouvons regarder pour le sabbat spirituel. Là. Et pour nous, est-ce que son enfin, sabbat, l'église gagne, hein, bien entendu. Et nous pouvons voir qui type de sabbat, quel est. Ok. Le verset 28, 29, 30. Matthieu 11, 28, 29, 30. Verset 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Là, Jésus-Christ fait référence avec sabbat. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Regardez bien en Bible. Du repos pour vos âmes. Hein, Matthieu 11, 29. Du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Comment? Lorsqu'on est dans le monde, selon Romains 3, Romains 6, enfin Romains 6 plus précisément, où tu es esclave. Péché ou ta travail comme Jésus qui dit dans Jean 8 là depuis esclave péché depuis ou fait ça qui pas selon la loi ou fait bagaille qui contre avec Dieu c'est esclave péché et doit esclave là paraît dans maison mes fils là dans maison en tout temps. Alors repos ça lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Li retire nou en bas drogue, cigarette, prostitution, nan mari moun, nan madame moun, nan vol, nan magie, nan toutes sortes de choses qui abominables. Nan homosexualité, nan lesbianisme, toutes sortes de bagarre, Dieu retire nous. Mais c'est repos ça. Ça veut dire repos pour nan nous parce que nan nous pas subir genre des choses encore. Nous pas le soumettre nous en bas péché encore pour péché faire de nous esclaves. Et c'est ça que fait elle dit, nous vin affranchi. Et lorsqu'elle dit dans Jean 8, 32, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est vrai. Vous serez réellement libre. Certainement. Parce que c'est le Fils qui vous a affranchi. Et le Fils, comment l'affranchi? Vous savez qu'elle portait la grâce et la vérité mort. Et d'où la loi du péché et de la mort, ça finit. Ça détruit. Li efface ak sa. Et qu'on a le vin bon, la loi de l'esprit de vie. La loi parfaite. Nous avons dit le dimanche dernier. La loi de la liberté. Hein? La loi de la foi. La loi de Dieu. La loi de Christ. Alors, c'est en bas loi ça qui est ouillé. Et c'est ça que fait l'idou selon Romains 8, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qui m'a affranchi de la loi de l'esprit de vie? Qui a amené la loi de l'esprit de vie? Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, selon dans Jean 1er 17 là, il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi, ce n'est pas Moïse. Alors, si vous voulez, c'est vous-même. Mais repos ça que Christ baille là,
c'est pas un repos comme je vois le travail puis au coup d'abord de ou le chita ou un repos pas travailler encore. C'est pas ça Chris dit. Et c'est peut-être ça nous allons rentrer tout de suite comme nous t'ai déjà montré dimanche dernier qui apôtre Paul pas observé ça bas Jésus qui pas observé ça bas. Maintenant nous allons rentrer dans Hébreux pour nous capable vraiment fin conclure chapitre ça avec et puis après nous discuter sur reste point yo selon que le Seigneur Jésus qui peut mettre lui. Alors dans Hébreux 4 là nous t'es arrivé surtout dans verset 7 là. Nous t'es fini, nous venons dans verset 7 là. Alors, n'a pas gardé et n'a pas commencé dans verset 1 encore pour nous capable bien conclure sous chapitre ça. Et parce que les sabbatiques pour avoir attention pour présenter chapitre ça et pour t'entendre parce que monsieur gon frère tirer qui l'aime commencer le chapitre ça, il commence content. Mais les rivé puis devant le bail, il commence à tourner, il vient fermer complètement, il va dire rien puis après ça l'aller. Mais là, nous pas laisser garder pour nous voir qui ça la parole dit. Alors, Hébreux 4, le verset 1er. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent, à savoir le peuple d'Israël. Pour nous qui avons cru, cela veut dire les chrétiens, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, à savoir le Dieu Tout-Puissant. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Alors, l'apôtre n'a pas ignoré le septième jour qui existait. Voilà pourquoi il dit... Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, c'est-à-dire il fait référence à la loi, au septième jour, au sabbat. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Le verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Regardez le verset 6, Hébreux 4. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ça veut dire, promesse a été faite avec qui est-ce, peuple Israël? Est-ce qu'ils étaient entrés dans le repos? Non, parce qu'ils étaient désobéis selon verset 6 là. L'y réserver à d'autres mounes maintenant pour, à quelques, ça veut dire à quelques mounes, pour y entrer dans le repos. Ça veut dire, hein, à l'église, pour y entrer dans le repos. Ça. Le verset 7. Maintenant, puisque c'était bon septième jour, si septième jour existait toujours, nous supposons que ouais, la Bible dit nous qu'elle existait. Alors, on a regardé dans le verset 7 et 4 pour nous, est-ce que septième jour a existé toujours? Et puis, on a là tout le monde qui est dans septième jour pour un peu faire n'importe ça. Et puis, on a là pour retourner sur le fondement des apôtres. Le verset 7. Dieu fixe de nouveau. Dieu fixe de nouveau. Qui? Dieu fixe de nouveau. Quoi? Un jour, aujourd'hui, Dieu fixe de nouveau. Si Dieu fixe de nouveau, c'est qu'il y avait déjà un ancien jour. Oui, on parlait quelque part du septième jour. Maintenant, on parle d'aujourd'hui. Hein? Dieu fixe de nouveau, regardez le verset 7 bien. Hein? Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Ça veut dire que maintenant, je suis aujourd'hui. Hein? On est dimanche, aujourd'hui. Demain, on sera aujourd'hui. Aujourd'hui, en conclusion, c'est chaque jour, selon le fondement des apôtres. Acte 2, 40, 6, 47. Acte 5, 42. C'est tout à fait clair. Hein? C'est tout à fait clair. Alors, fixe de nouveau un jour aujourd'hui, ça leur dit chaque jour, en disant dans David, si longtemps après, comme il est écrit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Alors, regardez le verset 8. Après verset 7 là, regardez verset 8 là pour comprendre que le septième jour n'a pas existé encore. Leader, ancien, apôtre, docteur, ou quel que soit titre qu'on gagne, le septième jour n'existait plus. Le septième jour n'existait plus.
n'existait plus, frère. Autant que l'Église est là sur terre, le septième jour ne peut pas être valable. Jamais, frère. Hein? Écoutez le verset 8 et 4. Car si Josué leur redonnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Quel jour? Aujourd'hui. Ça veut dire chaque jour, frère. Enfin, les assemblées qui se réunissent le dimanche matin, mais le samedi, chaque dimanche, chaque samedi, ça n'a nullement part sur le fondement des apôtres. L'Église n'a pas une telle prescription. Ça veut dire que là, nous devons comprendre que le septième jour, ça pas existe encore. Et ce n'est pas Frère Patrick qui dit qu'il n'a pas existé, mais ce texte-là qui dit qu'il n'a pas existé. Le septième jour n'existait plus, frère. N'existait plus. Alors, tout l'Ivelen Waitio, prends-y, jetez ça dans la poubelle, frère. Sœur, jetez-y dans la poubelle parce que n'est pas bon. Ou en train d'adorer Ellen White. Ou rempli de même esprit Jézabel qui est relaté dans Apocalypse 2. Parce que l'esprit Ellen White, là, c'est lui qui a gouverné le bâtiment. Ça yo. Frère, jetez vieux bouquet, ça yo. Acceptez Jésus-Christ. Remettez-le la vie, acceptez que c'est lui qui mène grâce, c'est lui qui mène la vie. Ce n'est pas Moïse qui boit la vie, c'est Jésus-Christ qui boit la vie, frère. Alors, dans le verset 9, regardez bien, chers téléspectateurs, regardez mot à mot. Hébreux 4, 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Regardez bien le texte, le verset 9. Seulement le texte, ça, on va même m'encraser, pas briser, rien du tout. Il y a donc un repos de sabbat, frère, ancien. Il y a un repos de sabbat réservé, frère. Quelque chose qui est réservé, frère, n'est pas encore donné, frère. C'est réservé. Frère. Dieu a réservé un repos de sabbat pour son peuple. Mais le peuple de Dieu n'a pas encore ce repos. Frère, c'est la Bible, c'est la parole. Hébreux 4, 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors pourquoi vous observez le sabbat puisqu'il était encore réservé? Vous observez quoi alors? Mais vous ne lisez pas, franchement. Vous ne lisez pas, ou bien quand vous lisez, vous êtes aveugle. C'est comme, oh, c'est pas étonnant, Ésaïe 29, c'est clair. Hein? Prophétie, c'est comme un livre cacheté, ou bien un monde qui qu'on lit. L'homme, il lit pour lire, il dit, pas qu'on lit. Ou bien un monde qui qu'on lit, l'homme, il dit, pas comprendre. Pas ouais. Alors, son bagage qui est très évident, parce que nous avons l'impression que la plupart des gens qui se nomment frères sont complètement aveugles. Parce que ils ne connaissent pas. De toute façon, là, ils sont à l'école, ils connaissent la grammaire là bien. Mais quand ils arrivent sur la Bible, ils sont partis à côté. Le texte dit un repos de sabbat réservé, frère, pour un dictionnaire, hein, ancien. Pour un dictionnaire, pasteur, pour un dictionnaire, ou à garder pour ça que les réserver. Pour un dictionnaire, frère. Parce que vous parlez comprendre la parole là. Gardez le verset 10 dans le même chapitre là. Car celui, alors, repos à réserver, verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Frère, pas dit, ou gata repose au désert, vous, frère, ou pour qu'on mourir. Hein? Ne me dis pas, vous êtes en train de reposer de vos œuvres. C'est faux. Frère, lisez, regardez dans le verset 10. Celui qui entre dans le repos de Dieu, et puis en plus, je ne vais pas dire rentrer, non, je dis entre. Entre. C'est tout comme je dis, entrer dans le royaume. Je ne vais pas dire rentrer, non, parce que je ne vais pas dire qu'on entre déjà. C'est la première fois pour l'entrée. Et repos, ça. C'est la première fois pour l'entrée là-dedans. C'est peut-être ça, je dis entre. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Par contre, frère, si vous faites des œuvres, si vous faites des gens dans la rue, dans l'hôpital, vous faites évangéliser, vous faites passer des messages, et puis vous n'avez pas le repos. Alors, si vous avez besoin de repos, il est mieux que vous mouriez, puis vous allez vous reposer, frère. Ou pas qu'à vivre pour dire moi, repos. C'est repos à Dieu pré-réservé. So, si c'est repos, on prend, frère, on fait fausse route.
parce qu'elle est réservée. Et en plus, on fait fausse soute encore. Faut mourir pour reposer. Et m'bral mouto que le texte a dit, faut mourir pour reposer. M'bral mouto ça. Alors, dans le verset, même verset 10, là, il dit, comme Dieu s'est reposé des siens. Alors, pourquoi il compare repos Dieu prend dans Genèse 2 avec repos ça dans le verset 10, Hébreux 4? C'est parce que Dieu finit le travail 6 jours, 7e jour, il va le reposer et il ne peut pas le travail encore. Il ne peut pas le retourner dans la terre. Il ne peut pas le retourner dans la terre. Les chrétiens, ils ne peuvent pas entrer dans le repos de Dieu, ils ne peuvent pas le reposer, ils ne peuvent pas retourner dans l'évangélisation. Ils ne peuvent pas le retourner dans prêcher l'évangile encore. Ils ne peuvent pas retourner dans la misère, monde ça encore. Ils ne peuvent pas là. Ils ne peuvent pas le reposer dans le sein d'Abraham. Hein? Dans le sein d'Abraham, sous l'autel, frère. Dans le lieu de la protection, frère. Mais ce n'est pas comme si Mtadou, ou après reposer pendant ce temps, ou entre dans le repos de Dieu, ou toujours vivant. L'entre dans le repos de Dieu, ça texte l'a dit. Ou pas le reposer des œuvres. Regardez bien, chers téléspectateurs, regardez bien, souple, frère, sœur Mio, qui est vraiment pile là. Regardez bien. Hébreux 4, 10. Hein? Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Est-ce qu'elle comprend ça? Rentrer dans le repos, c'est reposer des œuvres. C'est le jour du repos, c'est le sabbat, vous l'observez. C'est que ça a déjà dit, un repos de sabbat est réservé. C'est sabbat, on va parler. Moi-même, c'est sabbat, on va parler là aussi. Alors, de qui sabbat, on va observer là? De qui sabbat, on va observer là? Qui sabbat? On regarde Apocalypse 14 pour nous voir, est-ce qu'il y a un monde qui a entré dans le repos bon Dieu pendant le vivant? Pour la, enfin, est-ce qu'on peut plutôt qu'à le reposer le désœuvre pendant le vivant? Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 13. Regardez qui ça le dit. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Regardez fin phrase là. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres leur suivent. Regardez Hébreux 4, 10. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres leur suivent. Alors, Mounsa, Moun qui mouille dans le Seigneur, c'est laisse à l'entraîner au repos, frère. C'est laisse à l'entraîner au repos. Il peut reposer de quoi? De travaux, parce qu'on n'a pas besoin d'évangéliser encore, frère. On ne peut pas baptiser mon encore. On ne peut pas faire mission encore. Parce qu'on peut reposer des travaux. Hein? Je vous maintenant, on peut reposer avec vous. Je vous suivre, vous frère. On pas qu'à vivre en ancien sabbatique. Pour dire, moi, reposer de je vous. So, bon, nous ne pouvons pas personne mon sabbatique qui est. Bien que nous n'avons mon sabbatique qui pourrait aller. C'est gosser de mon recap. Ouvert quand dans la parole, c'est tout autant qu'il peut qu'on gagne la parole qui ouvre devant. Ils ont mon ami qui dit, il a bloqué le téléphone, les gens veulent pour mon parler, mais nous-mêmes, nous pas fait ça. Et ça qui crie là, n'a pas les gens lire. Alors, si un ancien qui a prouvé que l'église a un repos à observer, ou bien un sabbat à observer, Dieu se relève et puis fait et puis rapide, m'a coupé. Et m'a dit Amen. Et m'a dit Amen. M'attend un appel. M'attend un appel d'un ancien, d'un bishop sabbatique ou bien d'un membre aussi. À ce grand bible dans mon cas prouvé. Ou à observer ça bas parce que vous rejetez la grâce. Mais comme il dit dans Galates, vous êtes déchus. Vous êtes déchus de la grâce. Et ça dit vous êtes déchus. Regardez texte ça avant de partir Galates 5, hein, regardez Galates 5 avec mon frère, hein, Galates 5 from Samuel. Hein? Galates 5, verset 4. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Galates 5, 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alors, si vous cherchez justification dans la loi sabbatique, de la dîme, présentation au temple, la moisson ou d'autres encore, vous êtes déchus de la grâce. Je ne sais pas qu'à justifier, frère. Yo pas qu'à justifier. Alors c'est pas la peine frère que on perd du temps ou bien rendre le peuple de Dieu embobiné par une série de principes qui contraire à la parole de Dieu.
et qui pas écrit selon la Bible. Alors juste relé et puis fait pour ouvrir les yeux téléspectateurs yo. Hein? Pour ouvrir les yeux téléspectateurs yo. Relé et puis fait qu'on est que bon ou bien n'a pas rendez-vous ou gagne numéro téléphone moi ou carré mes numéro téléphone télévision c'est quoi c'est 29 hein, 05 77 c'est quelque chose comme ça. 29 05 77 ou carré hein, relé et puis qu'on a pour montrer que l'église doit appliquer le sabbat. Alors, si la Bible pas dit l'église doit appliquer le sabbat, alors considérez que vous êtes à côté de la plaque. Considérez que vous perdez vos temps. Alors, dimanche prochain, nous allons continuer le sujet ça pour nous pencher sous viande cochon. Pour nous voir qui ça la Bible dit. Et dès que nous voyons ça la Bible dit, laissez-nous apprendre à soumettre nous avec ça la Bible dit. Parce que c'est la Bible que nous devons suivre. 100% évangélique, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, Frère Patrick, c'est Frère Abadi. Bon Dieu béni, frère, moi dans le Seigneur. Oui. Amen, n'attendo. Eh bien, pas grand chose. Chose qui est importante pour nous, l'évangile, ça fait bailler et puis tout le monde te bouche. Amen. Et pour ne pas ignorer, si vous parlez, vous avez besoin de vous dire. Amen, amen. Si tu l'évangile, encouragez nous à prêcher. Tu ne peux pas faire un grain. Ah oui, certainement. Je le pour encourager. Je le pour encourager. Bon, là, on prend le téléphone, on dit là, pour gars, il fait là, même là, avec le téléphone. Mais là, pour elle, il y a des bombes, mais ça, on va le dire. Alors, comme si on attend mon relais, on attend mon relais, non. On attend jeudi, après, jusqu'à demain, après, qui ça, on va le dire. Est-ce que l'on a démenti le sabbat qui nous brûche? On n'est pas capable de défendre ça, à dire que la poussée sabbat, pour ne pas défendre, frère Jean. Je suppose à mes yeux pour le défendre côté le passé. Vous comprenez, est-ce que vous ne pouvez pas démentir le sabbat qui a prêché là? Bon, vous parlez de ça, vous parlez de ça, vous parlez de ça, vous dites, vous mettez le sabbat avec bon. Vous comprenez, vous devez faire dit bon, frère, moi. Vous devez carréler pour renoncer avec le système Ellen White là, avec le livre de prophétie de l'esprit Ellen White là. Et puis, en plus, quand vous savez qu'il était resté encore, c'est là que je dis comme ça, après tout le livre Ellen White, avec le livre de oui, m'a pillé ça. Jetez ça dans la poubelle. Jetez le livre Ellen White, et puis l'appli Bible, et puis pratiquez tout ça dans la Bible. Amen. Et puis c'est bien. Amen. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, frère, moi, bien aimé. Que bon Dieu béni. Et nous appelons le texte dans 2 Corinthiens 3, à partir de verset 13. 2 Corinthiens 3, à partir de verset 13. Mais ça le dit. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, parce que Christ est venu pour le venir. Mais ils sont devenus durs d'entendement, les frères sabbatiques, les sœurs sabbatiques. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alors, il faut reconnaître que c'est Jésus-Christ, le vrai Dieu. Faut reconnaître que c'est Jésus-Christ, le Dieu véritable. Faut reconnaître que c'est Jésus-Christ qui est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et pour convertir en Christ, pour voir ça, sortir sous yeux. Pour pas que mes gens de principe ça encore, frère. Mais si vous toujours êtes dans le principe de voir Moïse à tous yeux, ou pas convertir en Christ, ou pas convertir en Christ, ou pas baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais comment vous voulez pour voir ça sortir, pour délibérer en mon esclavage que vous y êtes? Hein? Où qu'on vérité a, où elle vraie, sans wap manger ou, quand on chita, hein, d'ailleurs wap coupe clou, parce qu'on compte c'est la vérité, mais, au bon voile qui vlope ou, hein, voile la couvrir ou, au besoin libéré, ou remet Christ, fait ça Christ mandé, c'est Christ qui dit lui, il écrit, si nous pas de pouvoir, ou ta lapide nous, ou ta dit c'est faux prophète, et vous avez demandé pour nous quitter le plateau. Téléphone libre pour aller. Nous pouvons lire la Bible là, en face, et nous lire le texte devant. Alors, frère, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Hein? Qu'attendez-vous?
Hein, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et franchement, voilà, jeté sur cœur parce que j'ai quoi dans la prophétie, Ellen White. Et maintenant, mon frère sabbatique qui a parlé, c'est quel livre Ellen White a utilisé, parole Ellen White dit. Et gagnon sœur sabbatique, et enfin, yon ancienne sabbatique, eh bien, lui dit que lorsque il a baptisé Mounio, il faut Mounio croire que. Faut yo croire que parole Ellen White yo te inspiré. Faut yo croire que yo vérité pour moun nan baptisé. Ça veut dire que esprit Ellen White là, li grandement adoré dans bâtiment ça yo. Frère, si vous avez l'esprit de Ellen White, l'esprit de prophétie de Ellen White, bah tout comme témoin de Jéhovah comme Charles Russell, Rutherford, hein, Franklin, tout nèg ça yo, William tout nèg sa yo ou après c'est que prophète congrégation ou bien organisation so, c'est prophétie moun yo appelé et soumettre avec prophétie yo. Mais vous mourrez dans vos péchés frère parce que vous avez un prophète mensonger que Dieu n'a pas envoyé. Vous avez une prophétesse diabolique que Dieu n'a pas envoyé. Alors comment on peut espérer que la vie éternelle là, hein? Alors tu écris tu Ellen White Capsovo. Ou mettez Bible à des côtés. Kouna, comme, bon, c'est pas étonnant, non, que Adventiste et Témoin de Jéhovah, ils ont une approche qui est très clé. Pourquoi? Parce que Adventiste là, c'est livre Ellen White, William Miller, qui aide yo. C'est yo que la Bible pour yo. Témoin de Jéhovah, c'est même bagarre. Ou pas qu'à Témoin de Jéhovah qui prend Bible, qui va gonti livre dans main. Jamais. Ou pas qu'à elle prend Bible à la main, discute avant qu'elle n'a Bible là. Faut gonti livre des côtés. Mais nous-mêmes, nous pas besoin de livre, c'est Bible. Ou pas qu'à prouver ça dans la Bible, il vous parle pas bien qu'on pense les hommes. Je pense que je crois que ça pas intéressé. Avec dit que frère, ou a perdu temps. Ou en bas malédiction. Ou m'a fait sauver, c'est ton ou a perdu. M'connon connaît, c'est ton ou a perdu. Alors pas goût avec la vérité. Soumettre avec la vérité. Hein? Soumettre avec la vérité. Soumettre avec la vérité. Alors le verset 16, il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Allez, vous sortez en bas. Jean Romains 8, le verset 2 dit là. En effet, la loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Hein? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Alors, si vous voulez libre, acceptez la vérité. Hein? Moi, je n'ai pas de problème pour discuter pour ça. Quel soit un ancien sabbatique voulait partager plateau avec moi, je n'ai pas de problème à partager plateau avec moi pour nous discuter. Il y a des gens qui commencent à parler, à dire qui parlent. Moi, Jésus-Christ, je n'ai pas négocié Jésus-Christ, je n'ai pas négocié votre bapote là. Sur mon but, je suis prêt pour me défendre devant n'importe qui. Comme Paul dit, si vous avez posé une question pour demander des raisons fraudes, foi que vous avez, eh bien, répondez-ni. C'est pour répondre, dit c'est celle Jésus-Christ qui a ressuscité. C'est celle-là. Bouddha mourit pas ressuscité, Ellen White mourit pas ressuscité. Hein? William Miller, Charles Russell, Rutherford, et j'en passe. Hein? Joseph Smith, yo mourit, yo pas ressuscité. Hein? Branham mourit pas ressuscité. Mohamed mourit, li pas ressuscité frère. C'est celle Jésus-Christ de Nazareth. L'imam lui ressuscité parce que c'est lui qui a baillé la vie. Il décide de mourir de propre volonté et puis le ressuscité de propre volonté, personne pas qu'à dire rien avec ça. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui. Alors, frère, sorti dans le camp ça yo. Retournez sur le fondement des apôtres. Retournez. Apôtre Paul pas observé les sabbats. Jésus-Christ pas observé. Aucun disciple pas observé. Mais ou même, ça fait là. À qui est-ce accroché? Ou pas accroché à Christ? À qui est-ce accroché alors? Qui ou toi prend? Quand on prale? Est-ce qu'on vraiment compte quand on prale? Ou pas compte quand on prale? Et ça, après, la congrégation, c'est aussi des grosses organisations qui gagnent pile moins. C'est normal parce qu'on n'a pas fait ça, Christ mandé. Hein? Et gros congrégation, ceci, cela, ce l'autre boy et tout. Parce que quand pile là, donc on est après sous la tête pour manger, pour boire. Et la tête pas détruit. C'est un bail qui est tout à fait évident, frère. Le territoire prend plaisir. Bon, ok? Bon. Et, chers téléspectateurs, malgré nos attentes, appel et. Quelqu'un ancien, mais nous pas un appel personne. Mais comme tu fais une fois déjà,
comme les frères Tab. Les n'a pas appelé ça 100% évangélique, bon Dieu bénou. Oui, allô, bonjour. Bon Dieu bénou, frère. Bon, oui, c'est pratique. Maman, quand on te dit, nous avons débattu émission ça, parce que moi, émission ça, elle est tellement efficace, parce que il y a des gens qui ont fermé GEO, parce que ils ne peuvent pas avoir des soins d'IA, parce que gain là dans les GEO a fermé, il y a tout doux, tout d'IA, et pas ça, mais il y a des gens, frère Jean, avec vous-même, je suis d'accord avec ça, 100%, parce que vous avez une émission 100% évangélique, mais je suis d'accord avec 100% aussi, parce que moi, je suis très bien, parce que ça peut être là, moi, je depuis au commencement jusqu'à la fin, ça c'est très bien. Que bon Dieu bénisse, frère. Oui, je suis d'accord. C'est bien que tu bénis dans le message. Oui. Ok, bon Dieu bénisse, frère. Oui, ma fait message ça passé. Comme tu fais des fois déjà avec un frère qui te défend la dîme, fait comprendre que dîme monde doit payer la dîme, m'ai invité sur plateau là pour venir avec Bible pour téléspectateurs suivre et pas m'ai pas invité venir gourmet mais m'ai invité en tant que des hommes soi-disant des dieux pour nous ta mettre les points sur les yeux devant tout le monde pour nous sortir avec un point. Mais sauf que je m'invite là, il pas mettre pied. Il pas mettre pied. Et fait même annonce ça à n'importe ancien sabbatique qui voulait partager plateau ça sur le sabbat pour prouver que sabbat encore existait ou bien que Jésus-Christ prescrit sabbat pour l'église observer. Plateau libre pour partager la même frère. Et selon la Bible, et seulement qui te livre l'en ou aïti de côté, parce que c'est Bible n'a pas suivi. Jou ça. Ou a vina Bibou, n'a pas chita, n'a pas partagel, ou a expose selon la Bible, et puis qu'on a nous tout à exposé, et puis téléspectateurs ou même, y a jugé. Si vous pas arrivé qu'a fait ça, frère, c'est parce que soit dit ou pas vrai. C'est parce que soit dit ou pas centré. C'est parce que soit dit ou pas sorti de Christ. Parce que si c'est de Christ, soit comme nous, moun qui n'a sabbatique ou pas contre Christ. Mais si c'est de Christ, soit parlé ou après pour défendre à n'importe moment. Mais n'attendons. Et nous souhaitons que téléspectateurs aient bien noté. Dimanche prochain, dimanche demain, on a plat. Dimanche qui vient là, on a plat. Alors, dimanche prochain, nous allons continuer sur viande cochon. On a continuer sur viande cochon. Et puis, pour nous capables, qui ça la Bible dit à propos de ça. Parce que nous levons, nous jeunes, nous abdi, parce que c'est des gens qui me racontent surtout, qui sont complètement ignorants de la parole, mais qui toujours répéter ça. Il y a tant de gens abdi. Il y a tant de gens qui la tête en bas, ils répètent la tête en bas. Ça, vous ne pouvez pas lire la Bible pour vous. Ça, vous ne pouvez pas garder la Bible pour vous. Ça, la Bible dit. Hein? Yo pas jamais garder Bible pour ça Bible yo Dieu ça parler comme ça parler dans l'air sans que yo pas garder qui sa Bible a dit. Alors on a plus texte ça pour nous capable nous pas lever dans moment pour nous partir. On a plus texte ça c'est dans Colossiens 2 nous pas regarder ça. Colossiens 2 à partir de verset 13. Colossiens 2 à partir de verset 13. Gardez avec moi texte ça. Il dit verset 13 Colossiens 2 vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Mais la réalité est en Christ. Mais la vérité est en Christ. Mais le salut est en Christ. Parce que c'est Christ qui mène le salut. C'est Christ qui mène la vie. Et il continue pour le dire. Qu'aucun homme
sous une apparence d'humilité et par un culte. N'a pas appelé ça, n'a pas continué après. Bon Dieu béni ou 100% évangélique. Bon Dieu béni ou. Oui, allô. Bon Dieu béni ou, frère. Mon Dieu, je m'a demandé ou, comme on dit que c'est dimanche prochain, on va venir avec Vienne Cochon. Je n'ai pas besoin de t'appeler sur lui parce que je suis Vienne Cochon là. Je n'ai pas besoin de est-ce que je dois manger la semaine, est-ce que je dois jeter les. Bon, si tu regardes la faute, d'après toi, on t'a appelé dans le texte que je te lis là, bon, je vais pour ça ne me pas répondre. Que personne d'autre ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Oh, d'accord? Vous comprenez? Oui. Eh bien, je vais te répondre, oui. Alors, maintenant, je viens de moi. Oh, mais on ne pas comprendre le texte, ça, si vous posez une question toujours, frère. Vous ne pouvez pas comprendre le texte, ça, alors? Non. Vous ne pas comprendre le texte, ça? Non, expliquez-moi bien. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, frère. Ok. Ça veut dire que soit sans manger, personne n'a pas jugé au soulé. Mais il y a un seul bagage, il y a une grâce sous ça, on va manger. Ok, merci. Et puis, il reste là, on a bali dimanche prochain. Que tout le monde bien chita, et bible, stylo, noté, et puis pour être capable de suivre, parce que c'est très délicat pour écouter avec un peu l'attention. Ok, merci, merci. Bon Dieu, bénou, frère. N'a continué lecture là. Je te dis qu'aucun homme n'a pas appel ça encore. Apparemment, elle est obligée à prêter dans un appel. Bon Dieu béni ou 100% évangélique. Oui, bonjour. Bon Dieu béni ou c'est moi. Frère Patrick. Oui, c'est moi. Je oui, dis-moi. Est-ce que vous avez toutes ces émissions enregistrées? Oui, oui, tout enregistré, c'est moi. Vous avez archivé? Oui, vous avez archivé. Ok. Si on a besoin des commencements jusqu'à la fin, comment on peut joindre? Eh bien, comme pas grand bagage qui a fait copie, hein? Mais sauf que j'ai tout DVD là. On peut prêter un bête pour graver, oui. Eh bien, pas de problème. Alors, si il y a possibilité, pas de problème. Et puis, on prend contact et puis on transmettre tout net et puis on fait copie. Ok. D'accord? Si on parle tout vite là. Pardon? Ni mon moment qu'à parler sur téléphone non, ma bonne numéro de téléphone moi pour appeler l'aime. Ah ok. Et c'est portable moi c'est 15 64 51 06 90. 06 90 combien? 15 64 51. 64 51. Ah bah on comprend, on pas attendre bien. Oh c'est 06 90 15 64 51. Merci. Et puis après les mois et puis qu'on est là n'a pas capable prendre rendez-vous et puis pour me préparer pour ma boîte tout stock là pour faire copier après avoir mettre moi. OK. Et puis vous regardez sur YouTube tout si vous voulez. Ah OK, sur YouTube là. Mais c'est pas tout qui sur YouTube, c'est quelques juste comme ça. Quelques, d'accord. Parce que tous les dimanches moi regarder. Ah bien, c'est très bien, c'est très bien. Et mon cas ouais, au capable et bon émission. Eh bien, c'est bien. Tout ça, on a dit, mon quoi, Adam, parce que mon a gardé Adam, Bibou avec Marie. C'est très bien. Ça, c'est un monde qui a pas appris. On garde dans Bibou. C'est pas moi, on a attendu, on a gardé Bible, on a attendu Bible à qui a parlé. Oui. C'est très bien. Franchement, est-ce que je me rencontre avec Marie ou? Je t'ai remis pour nous faire un chita pour nous discuter de la parole. Est-ce que ça n'a pas intéressé ou non? Oui, c'est bien. Ah, mais Pablo, Laure et Léne, et puis n'a pas rendez-vous ça. Okay, c'est bon Dieu bénon chez moi. Merci. Ou même à toute Mario. Bye bye. Oui, n'a fini le texte noir pour nous capables de partir. Il dit le verset 18, Colossiens 2. Colossiens 2, 18. Après qu'elle fin dit nous que a fait nous faites nous les fêtes nouvelles, lune, sabbat, manger, bret. Ronald dit nous que c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire, le corps est en Christ, ça veut dire la réalité est en Christ, la vérité est en Christ, le salut est en Christ. Hein? Maintenant, le verset 18, il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Dans tout le corps, assisté solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement de que Dieu donne. Alors peut-être que quelqu'un qui va comprendre ça, mais on peut faire un petit éclaircissement.
OK. Que personne moun pas en cul de l'esprit de Ellen White qui a bay prophétie qui a dit ça pour faire pas prend pri salut pas prend pas faut perdre course là pas mettre un bois ou bien fouiller un tour devant pour courir pour tomber dans trou. Faites attention parce que moun sa yo yo abandonné avec une série fausse vision comme Ellen White te fait en fausse vision ou bien comme Joseph Smith fait hein Charles Russell fell, Miller fell, et Branham fell. Il y a une vision que Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ monte tout bagarre net toute la fin, comme Russell, le grand faux prophète. Alors, pas quitter personne ravi ou. Parce que depuis qu'on est connecté avec un série vision, c'est comme une série d'âmes missionnaires, une série frère qui contrait à la parole, qui a prêché. En tant que femme que la Bible interdit que yo prêché, yo a prêché, yo a fait tout comme garçon, yo pas voilé, yo faucheve, yo toutes sortes de bagages qui contraire à la parole, yo pantalon, bijoux, maquillage. Mais yo toujours dit Dieu parler avec yo. Qui Dieu parle avec vous? Hein? Dieu parler avec yo. Dieu parler avec yo. Or, Jean 9:31 dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le péché, mais celui qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alors, celui qui ne fait pas la volonté du Seigneur est un pécheur. Ou comme Proverbe 28:9, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors, on va courir pour pas écouter la vérité comme dit là, et puis après, on va prier qui? On va comme pharisien. Parce que Jésus-Christ, en tant que le Dieu véritable, lorsqu'il a parlé avec lui, pas quoi? Il n'y a pas quoi ça, Jésus qui dit lié. Yo fin joure Jésus qui dit et puis entre dans sanctuaire là dans lieu saint ou bien lieu très saint yo al faire sacrifice à qui est-ce yo fait à Jésus qui encore hein yo pas le faire là en l'autre monde yo pas le faire avec un autre monde hein est-ce que dit avant qu'Abraham fit je suis ça veut dire quoi Exode 3 14 si vous besoin compte ça veut dire je suis alors ou pas quitter monde ravi ou pas quitter monde ravi ou frère sœur. Parce que depuis qu'on connecté avec Pense Chanel ou à pile bruit pile et ambiance eh bien yo quitté ça qui la parole dit et puis on a mon oui homme son gros dame missionnaire l'Éternel parle avec moi on dit des hommes son monde qui fort dans le Seigneur tellement solide nous solide nous solide nous sans tout solide nous solide on dit OK d'accord moi m'a pas solide là n'était dans la parole il dit il qui ça te dit et me dit ah ou solide veut même pas qu'on prouver ça dit là. Le l'ouvri Bible pour le garder, chercher, et puis me garder le cap chercher, vrai. L'ouvri Bible là, 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 le côté, il dit, ah ouais, dis-moi, frère Patrick, c'est ça, il y a un enseignant, il dit, je connais ça, il y a un enseignant. Mais sauf que ça n'a pas écrit. Frère, pas chita devant moun qui parle bon, pensez-le. Moun n'a pas le fort, ouais, ça l'a dit, yo. Force, ça l'a dit, yo, écrit. Afin de l'arriver, son daddy, il est cherché, c'est ça, dans le lieu très saint. Il passe la Bible et puis long verset. Après ça, qu'on a commencé à parler, le marché, le parler, le parler, le parler, le parler, pile. Après ça, qu'on a fini, il relit verset et puis il dit, mon Dieu, bien, parce que content de tout le peuple a dit, tout le monde joue. Non, qui sont joués, non, moi, pas apprendre rien pour sauver là. C'est décortiquer la Bible pour jouer tout profond de penser, bon Dieu, quand dans la Bible pour sauver. C'est ça l'évangile. Et bien, plus tôt. Le verbe qui ne pas prier ni selon l'évangile chaque jour hein, correctement pour tout le monde enseigner de la parole son dégradement qui est lié hein? Alors attaché au chef le verset 19 a dit il a couru mais il pas attaché avec Christ les sabbatiques hein? Comme le nom de témoin de Jéhovah c'était Rutherford deuxième président bien deuxième pasteur après Charles Russell qui était bail nom témoin de Jéhovah et puis tout le monde a appliqué là eh bien et ça veut dire que ils n'ont pas attaché avec Christ. Ils n'ont pas attaché avec Christ. Hein? Si ils étaient attachés avec Christ, ils étaient capables, comment? Quand tu es capable d'assister solidement, ils étaient capables de tout jointure, tout le monde est capable de connecter, bien embrasé par Christ, pour grandir, pour trouver un accroissement, selon que Dieu lui-même lui permet que l'Église là grandisse spirituellement. Mais ils pas attaché à Christ, qui grandit pas le bout. Déjà, les rois, ce pas les spirituels qui sont, les chanels qui sont, les impurs. Alors, comment on peut avancer dans ça? Oh, il dit que nous devons être attachés avec chef là. Qui est-ce qui chef là? C'est Jésus-Christ. Il dit, si vous êtes mort avec Christ, oh oui, du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous imposez-t-on ces préceptes, on sait des préceptes mon bord, qui sont complètement à côté de la plaque. Hein? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui, tous, deviennent pernicieux
par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Alors, on a nègre là, choisi. Bon, yon bagay qui sorti nan pensin. Ou bien, comme yon se yon dene qui sorti yon gros poète yon, on a choisi mette loi pa yon, sans que Bible a pas qu'à justifier ça ou dia. Ou dit tel, bon, on kon ba yon ou soupinition, oui. Ah, un tel soupinition, oui. Mais, l'on dit un tel soupinition, est-ce que t'es l'assemblée ya, pour assemblée ya te prononcer sur un tel? Ou même en tant qu'on goto ou pour prononcer sur lui personnellement? Mais non! C'est l'assemblée pour comprendre qui pour garder moun sa comme. Mais c'est pas comme si personnellement on pral faire, non, on pral faire en accord avec l'assemblée. Alors, genre de principe ça yo, ce sont des commandements d'hommes, des traditions avec les gars ou pas besoin de voiler, ça c'est commandement d'hommes. Les gars de oui, fille à caprécher, c'est commandement d'hommes. Les gars de oui, ou baptise au nom du Père, ou ka baptise dans tout nom vle, dans nom Yahweh, dans nom El Shaddai. Moun sa fait faux soute parce que l'écrasé à 4-12 là. Parce que aucun monde qui a l'esprit de Jésus-Christ ou bien qui a l'amour de Jésus-Christ n'a pas capable d'accepter un homme qui dit ou qu'a baptisé dans tout nom que vous voulez. Or, à 4-12 clair, il n'y a de sali en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alors, si les gars parlent, l'autre nom c'est qu'ils sont anti-Christ qui est lié. Ils ne parlent pas de Christ, ils sont des gens qui côtent Christ qui est lié. Parce qu'il n'y a pas qu'à avoir l'autre nom en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas qu'à fléchir devant l'autre nom qui est Jésus-Christ. Pas qu'il y a l'autre nom qui n'a pas donné péché en dehors de Jésus-Christ. A dit, vous pouvez bâtir dans le nom Yahweh, vous pensez péché, vous pouvez le pardonner, vous faites fausse route. Dans le nom Jéhovah, El Shaddai Elohim, vous perdez du temps. Dans le nom l'Éternel, vous perdez du temps. Son seul nom vous bâtir. Et c'est dans le seul nom ça vous gagne la vie. Vous bâtir l'autre nom, vous faites fausse route. Son seul yo bay en bas ciel là. Et en plus yo dit non ça qui moun ki nan ciel yo, ki sa sous terre, ki sa en bas terre, tout besoin fléchi devant non ça. Ça veut dire c'est le seul nom qui existe. On a sous côté sorti avec ti non, l'autre ti non, par contre non sorti de côté avec yo. Ça pour montrer que pas moun Christ. Son bay qui clair. Et c'est pas étonnant sou gen moun dehors. C'est normal. C'est normal. Que bon Dieu bénisse ou que bon Dieu garde yo. Et n'oubliez pas, lisez la Bible. Appliquez la Bible. Pas attendez ça en homme dit, pas fait ça en homme dit, mais fait ça la Bible dit. Et bat pour vraiment dans la parole qui baille la vie. Si vous sentez que vous avez un doute de fonctionnement, arrangez-vous. Et quand vous avez une vérité, vous préférez être souffri avec que vous avez bouleversé au lieu que vous faites sa Bible la dit. Alors, il mieux que vous avez fait sa Bible la dit pour gagner la vie, parce que pour vous avez perdu pour ça, c'est à la honte. Alors, il mieux que vous soumettez avec Christ. Parce que vous remèl. Si vous remèl Christ, ce n'est pas un problème pour baptiser dans l'ordre, ce n'est pas un problème pour appliquer parole. Si vous remèl, vous bien entendu. Si vous ne remèl, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas faire. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Et passons une bonne semaine dans le Seigneur. Et nous remèlons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye et bonne semaine. À dimanche prochain, dimanche cabinet, dimanche demain, à dimanche prochain, si Dieu veut. Bye bye. Mon dit la tellement bouleversé, vampire sous moi pas prêter. C'est grand mec la même qui dit ça.